Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver pour un petit unboxing. J'ai passé une commande sur le site L'Étale Cosmétique, une marque si vous la connaissez pas, c'est une petite pépite. Ma copine amour m'avait offert un fard multichrome de chez eux et j'ai vraiment eu un énorme crush tellement je trouvais ce fard magnifique. C'est un fard rose qui a des reflets verts absolument canon, que j'adore porter. Et comme j'ai vraiment eu un énorme crush sur ce fard, eh bien je me suis dit que j'allais pousser le crash test un petit peu plus loin et que j'allais commander quelques produits de chez eux. Alors j'ai bénéficié de promos qu'ils avaient fait juste avant le nouvel an. Donc il y avait un bundle avec deux palettes, qui étaient deux nouvelles palettes qui venaient de sortir. Et il y avait ensuite un mystery bag et je me suis dit, eh bien pourquoi pas? Surtout que dans le descriptif du mystery bag, ce n'était que des produits full size. Donc je me suis dit, bon, c'est l'occasion. Et au niveau du prix, j'essaierai de vous mettre les prix ici quelque part si je les retrouve. Mais je pense que le mystery bag avait une valeur de 30 euros, 35 euros pour une valeur globale de tout ce qu'il y avait dedans de 99 euros d'achat. Donc je me suis dit, eh bien, on va foncer, on va y aller. Et donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. Et je pense qu'on va d'ailleurs commencer par le mystery bag qui se présente dans une jolie trousse. Bon, c'est une trousse en plastique, L'Étale Cosmétique. En soi, elle a rien de vraiment exceptionnel, mais j'aime bien le fait que ce soit mis dans une trousse et pas juste dans un petit truc parce que des trousses, on n'en a jamais assez. Et donc le contenu est ici dedans. Je ne le penche pas trop pour pas le faire tomber, Miss Catastrophe comme je suis. Et je vous montre tout de suite le contenu. Alors la première chose, nous avons un rouge à lèvres mat liquide. Et c'est un nude. On va swatcher la couleur. J'ai encore rien swatché. Hein, donc je ne sais pas quelle texture, quel parfum, quelle tenue ça peut avoir parce que j'ai reçu le colis ce matin. Hop. Et voilà la couleur de rouge à lèvres. Alors c'est peut-être un chouïa clair. C'est vrai que c'est une couleur qui ne correspondra pas aux peaux qui ont une carnation plus foncée que la mienne. C'est peut-être un chouïa clair, mais j'essaierai quand même de le porter parce que ça pourrait passer dans un nude. C'est quand même un nude rosé. En tout cas, je ne suis pas mécontente. Nous avons ici un gel liner. Les packagings sont faciles à ouvrir. Ça, j'aime beaucoup. Voilà la couleur du gel liner. Alors, je vous avoue que ce n'est pas vraiment la couleur que j'aurais choisie à la base. Je me serais certainement orientée vers un noir classique ou alors quelque chose, une couleur que j'ai l'habitude de porter, un prune ou un vert. C'est pas vraiment le genre de couleur que j'ai l'habitude de porter, mais je me dis pourquoi pas. Ça peut changer, hein. Donc je ne l'ai pas encore ouvert. Le petit opercule est encore fermé. Voilà. Il fallait bien que ça arrive. Et donc voilà à quoi il ressemble. C'est un ocre doré. Voilà. Pourquoi pas tester? Je n'ai pas l'habitude d'utiliser des liner gel, mais c'est à tester. Voilà. Alors pour l'instant, on ne peut pas dire que je sois méga, méga ravie. Mais je ne peux pas dire non plus que ce soit une déception. Prochain produit, et là ce sont deux fards mono. Et regardez les couleurs. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez bien voir les couleurs. Je ne vais pas les déballer parce que je risque de mettre les doigts dedans et de les abîmer. Mais ça, c'est tout à fait les couleurs que j'adore porter. Donc un rose, un petit peu rouge et alors un doré. Le doré, moi j'adore ça. Donc franchement, je suis super contente. Alors le premier, le rose. C'est la teinte Echo. Et le deuxième, c'est la teinte Equinox. Ah ben franchement, j'ai hâte de les tester parce que comme j'ai été vraiment très agréablement surprise du fard que j'avais reçu de la part d'Anna, ben je pense que je ne serais pas déçue de ceci non plus. Alors ensuite, un petit gadget, on va se l'avouer, hein. Ceci, ce sont simplement des petits stickers qui brillent dans le noir. Bon, pff, voilà, on va dire que c'est vraiment gadget, ça ne sert pas à grand-chose. Ce sont des petits stickers sur le thème de l'espace. Vous avez des étoiles, des soucoupes volantes, voilà. Bon. Je vous avoue que je ne sais pas trop ce que ça vient faire là-dedans, mais je le donnerai à quelqu'un que ça amuse, à un enfant. Ou... Mais voilà, je ne me vois pas vraiment mettre ça sur les murs de ma chambre. Et alors, pour terminer dans le mystery bag, nous avons une palette qui est la Berlin 89. Et je vais essayer de l'ouvrir sans tout faire tomber. Et donc, voilà à quoi ressemble la palette. Je vais vous la montrer de plus près. Alors, clairement, la vidéo ne rend absolument pas hommage à la beauté des fards irisés de la palette. Franchement, c'est vraiment dommage. Mais alors, ce fard-ci,
Là, je ne sais pas de quelle couleur vous le voyez. Moi, avec le retour caméra, je le vois rose. Mais quand je le regarde du dessus, je le vois kaki. Et quand je le regarde de biais, je le vois bronze. Autant vous dire que ça doit être absolument canon. J'ai vraiment hâte de l'utiliser. Alors clairement, ces couleurs-ci, hein, le bleu là, le gris, même si je commence à me maquiller en gris, c'est pas tout à fait des couleurs que j'aurais utilisées, mais cela dit, c'est quand même une très jolie palette. Et franchement, là, vous le voyez rose, mais il n'est pas rose du tout, ce fard. C'est impressionnant. Il est vraiment impressionnant. Moi, je le vois bronze kaki et pas du tout rose. Bref, j'essaierai de vous mettre une photo, peut-être, pour qu'on voit la différence. Mais c'est une agréable surprise. Je m'attendais pas du tout à avoir une palette. Donc, bah, c'est gagné, on va dire. Rien que pour ça, je pense que le mystery bag est pratiquement rentabilisé. Et donc, on va passer maintenant ce pour quoi j'ai passé commande. Les deux palettes qui sont absolument sublimes. Alors, je sais pas si je commence par la verte ou par la rouge, parce qu'elles sont vraiment toutes les deux très belles. Je commence par la rouge. Donc voilà, le packaging. Et alors, à l'intérieur, regardez-moi. Cette beauté, elle est absolument magnifique. Je n'ai pas d'autre mot, elle est juste magnifique. Alors encore une fois, la vidéo ne permet pas de rendre hommage à la beauté des fards parce que ils sont juste canons. Alors celui-ci, c'est un rose. Là, vous le voyez un peu rose, mais moi, je le vois orangé. J'ai l'impression que chez Lethal Cosmetics, ils sont vraiment spécialisés dans les fards multichrome. Celui-là a l'air vraiment dingue, mais vraiment. Celui-ci, absolument canon. Alors là, vous le voyez vert. Moi, comme je le regarde comme ça, je le vois presque bordeaux. C'est dingue, hein. Franchement, il y a des couleurs. Alors celui-ci, vous le voyez rose. Moi, ici, je le vois orange. Enfin, voilà. Comment vous dire que cette palette doit être une vraie pépite à utiliser? Et alors, surtout au soleil et les reflets que ça doit donner, ça doit juste être dingue. Donc celle-ci, c'est la rouge. Et alors, ce qui est bien, c'est que vous avez des petits trous derrière qui peuvent vous permettre de réorganiser vos fards si vous avez envie de le faire. Il n'y a pas de nom sur les fards. Donc en fait, vous pouvez vraiment réorganiser votre palette comme vous en avez envie. Et donc maintenant, la deuxième, qui est la verte, et qui est tout aussi belle. Voilà à quoi elle ressemble. Alors celle-là, je vous avoue qu'elle me sort un petit peu de ma zone de confort parce que bah, ces couleurs-là, ça, c'est vraiment pas les couleurs que j'ai l'habitude de porter, mais j'ai vraiment craqué et vu qu'elles étaient dans un bundle, je me suis dit que j'allais pas hésiter, que j'allais prendre les deux. Alors encore une fois, on est sur du holographique, donc ici, je sais pas, vous le voyez un peu vert, vert clair. Moi quand je le regarde comme ça, je le vois violet. Celui-ci, vous le voyez vert jaune, moi comme ça je le vois kaki. Et alors celui-ci, vous le voyez un peu blanc, et moi je le vois doré avec des petites paillettes à l'intérieur. Comment vous dire que ces fards ont l'air juste dingues? Je pense que j'ai répété que ces fards étaient incroyables et dingues tout au long de la vidéo, mais c'est vraiment le cas, mais j'ai tellement hâte de les tester. Mais le problème, c'est que en vidéo et en photo, ça ne leur rend pas justice, c'est vraiment dommage. Sur mon compte Insta, l'Instant Beauté d'Elo, je vous avais posté une photo où j'avais justement utilisé le fard multichrome rose-vert, mais je trouve que même si on voit un petit peu qu'il y a des reflets, ça ne se voit pas bien, alors je sais pas avec quel type d'appareil photo ou quel type d'objectif je pourrais rendre justice à la beauté de ces fards, mais c'est incroyable. Voilà, cette petite vidéo unboxing et découverte de la marque Lethal Cosmetics est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez la marque dans les commentaires, si vous avez des produits chouchous de la marque, si vous avez envie de la tester suite à cette vidéo, parce que franchement, petite pépite, en tout cas pour les fards. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao !